Nerilia, capitaine équipe là, deuxième match nous, bah nos impressions sur match là. Très mauvaise impression. Franchement, ce match, nous bah match là. Nous pas un match facile pour nous mêmes, nous est très 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 difficile. En tout cas, c'est pas un match Coupe du Monde pour jouer, franchement. C'est vrai, on a mal joué, mais tout le monde est fautif. On ne va pas pointer des doigts qui que ce soit, mais on a mal joué ce soir. Un point, c'est tout. Et aussi, franchement, on a eu trois occasions, trois pénalties. Il n'y a même pas la VAR. Il n'y a pas même checké VAR. Quand c'est nous qui faisons une faute, la VAR direct. Mais quand c'est les autres, c'est pas possible. Il faut être dans les deux côtés. Pénalty, pas pénalty. Mais il n'y a même pas, il n'y a pas même checké VAR. Franchement, c'est pas possible. Il y a des changements aussi qui... Franchement, on n'a rien fait ce soir. On n'a rien donné. Comment me dit qu'il y a eu des changements? Je n'ai pas de problème qu'il y a des changements. On fait des changements, mais il faut retirer la bonne personne. C'était pas la bonne personne ce soir. Pour moi, je trouve que c'était pas la bonne personne. Maintenant, on va se concentrer sur Danemark. Parce que on n'a pas éliminé ce soir. Et on va travailler pour revenir plus fort. Qui est le moral de l'équipe là? On est déçu, tout le monde est déçu. On se rend compte que ce match, on n'a rien fait pour la gagner. Et on va se remettre en question chacune. De notre côté, on va regarder le match et on va faire des vidéos. On va voir ce qui n'a pas marché. Et on verra pour le prochain match. Déjà, on va rester concentré sur le prochain match parce que ce match, c'est derrière nous. On est déçu, on sait qu'on a déçu tout le monde. On va reprendre notre force. Qui consigne qui peut gagner l'investir là après notre finitri, au carton rouge? Qui consigne pour faire tracer? Ben déjà, qu'on n'avait pas fait ce qu'il avait demandé. Et il avait un peu raison, mais franchement, c'est nous-mêmes qui souterrains. C'est nous-mêmes qui avons fait choix passe, choix centre. C'est nous-mêmes qui souterrains, c'est nous-mêmes qui jouons avec instinct nous. Donc si nous voyons que ça a fait là, l'impossible, c'est nous-mêmes qui le faisons. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle va quitter bientôt, donc on ne saura jamais. Donc c'est ce qui est fait. Maintenant, il faut se concentrer pour la suite. Voilà, il n'est pas éliminé à soir. Nous concentrons-nous sur le Danemark. Oui, ouais, c'est vrai, nous ne pas éliminer à soir, mais nous méritons éliminer. Oh. Parce que ben, c'est vrai, on est des sportifs, on est des compétitrices. Et là, il n'y avait pas de compétition. Là, on a donné le match. Clairement, on a donné le match. Oui, mais dans la deuxième mi-temps, on a perdu à 10. À 10, on a perdu. C'est ce qui nous fait le plus mal. On a perdu à 10. L'équipe, elle était à 10, on a perdu. Si on ne peut pas battre une équipe à 10, comment on peut penser qu'on va battre une équipe à 11? Ce n'est pas possible. Mais d'après, au côté problème, on a sorti une équipe là. Les deux côtés. Côté joueuse, côté staff. Il faut prendre les bonnes décisions. Nous les joueuses et le staff aussi. Merci capitaine. Merci. Bonne chance.